En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. En 1952, en été, passe au Casino de la Corniche, la troupe du Carrousel de Paris. Je ne cache rien, cherchez bien, en moi tout le proclame. C'est Ludo qui dit, oh, il y a le Carrousel qui arrive. Et il explique. Mais le Carrousel, il explique ce que c'est que les travestis et tout ça. Il a l'air un peu au courant. Et je tends une oreille qui absorbe tout ce qui se dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a tout un programme. Et on commence à dire, oui, mais cette année, il y a Coccinelle, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui l'ont vue à la ville, mais c'est une petite Parisienne extraordinaire. Elle vit complètement habillée en femme, on parle même d'elle au féminin. Et je vois le spectacle un jour. Et c'est Rosette qui m'emmène. Elle me dit, ça vous intrigue pas, vous? Moi, ça m'intrigue beaucoup. On va y aller. Et je vois ce spectacle que je trouve étourdissant. Une sorte de défilé de couture, parce qu'elle se tient dans des trousses avec une taille extrêmement fine, des jambes galbées, puis il y a quelqu'un qui chante au micro, des titres de robe qu'on donne soir de Paris, La Belle au Bois Dormant. Et ça fait rire le public, qui est là, vraiment fasciné. Je dirais pas en admiration, peut-être que la condamnation morale y est aussi. C'était une bouffée d'oxygène extraordinaire, une certitude dans mon esprit. J'avais trouvé à battre ce mur qui s'élevait devant moi, que j'arrivais pas à franchir, que tout ce qui était du domaine du rêve était réalisable. Dans mon esprit, la chose est faite, je vais vivre en femme et je vivrai avec Ludo à Alger. J'écris à Ludo et je lui fais part de mes intentions et j'attends sa réponse. Et je m'achète au marché une robe. C'est un jour de foule et j'ai acheté un petit peu de poudre et un petit peu de rouge à lèvres très léger. Je l'ai attendu tous les soirs. Et au bout de 3 soirs, il est venu. Il a frappé comme ça au volet. Il est venu. Et il m'a vu avec ma robe, mon petit maquillage, une petite coiffure. J'avais un fer à friser. Le fer à friser de la moustache de mon grand-père, que j'avais bien conservé précieusement. Je m'étais un peu frisé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'est abominable. Si tu fais ça, tu seras jamais qu'un PD. Je vais t'apprendre à coucher avec une femme. Ça me blesse à un point. Je crois que j'ai jamais été aussi blessé de ma vie. Tant pis pour moi, ça m'a donné une bonne leçon. Mais j'ai été blessé, j'allais dire à mort. À mort parce que je commence à pleurer et qu'il s'en va, il tourne les talons, il s'en va. Et il n'a qu'une peur, c'est qu'on le voit sortir par la fenêtre, que je sois en larmes, ça lui est complètement égal. Et moi, j'ai envie de mourir. Sur le moment, j'ai envie de mourir. Je ne suis pas du tout suicidaire. Mais sur le moment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'envie de mourir, pas une seule fois, non, mais pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'occasion de mourir. J'ai vu ce canoun qui était une sorte de quelque chose pour se réchauffer contre le froid de l'hiver, et avec des braises et du charbon qu'on met dessus, et qui dégage de l'oxyde de carbone, et qui tue sans souffrance. Et je me suis dit, oui, j'ai vite refermé, il faut mourir. Et je ne sais pas combien de temps ça m'a duré, j'étais abattu. Est-ce que ça a duré 1 minute? Est-ce que ça a duré 10 minutes? Mais pas beaucoup plus. Je me suis dit mourir? Mais pas du tout. Pour cet imbécile qui me refuse de me voir, sur le moment, je l'ai haï. Et je dis, mais non, je veux vivre au contraire. Je veux vivre. Je me dis, oui, mais comment? Tout ça, mais je peux plus rester ici, tout simplement. Je peux plus le voir. Je peux plus rester ici. Le lycée, mais j'ai rien à faire au lycée.
Il faut que je parte. Et je me suis monté la tête, si j'ose dire. Mais enfin, c'est la décision s'est prise d'elle-même. J'ai pris une décision, mais en fait, j'y ai été poussé. J'y ai été résolu par une réalité qui s'imposait. Non, je n'avais plus rien à faire ici. Qu'est-ce que je devais faire? C'était rentrer au Cicer sur le moment, tout de suite, voir ma mère et penser à Paris. Quand j'arrive au Cicer, ma mère me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais il ne s'est rien passé, je ne peux plus. Et alors là, on a commencé à parler, J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux, qu'il y ait un scandale aux Isser? Que je sorte? Elle a mesuré l'amplitude du désastre que ce serait que je reste aux Isser. Mais elle n'a pas discuté. Enfin, elle me disait, mais tu me dis des choses que je ne comprends pas. Et puis je ne peux pas comprendre. Je dis, mais oui, mais il faut admettre. Et elle me dit, oui, je sais. Voilà, on s'en est tenu là. Et elle m'a fait l'émancipation, je suis partie. Nous avons de quoi tourner la tête aux beaux garçons. Des atouts et tout le tralala de la passion. Si on est, rassurez-vous, c'est pour la vie. Et je suis arrivée à Paris. Je suis allée au Carrousel, j'ai demandé à voir le patron. Et j'ai dit au patron, voilà, je veux travailler au Carrousel. Il m'a dit, mais quel âge as-tu? Je pense que je l'ai touché parce que lui aussi avait fui l'Algérie à 17 ans. Peut-être que ça lui a dit quelque chose. Il souriait comme ça. Il m'a dit, tu sais chanter? Et j'ai dit, non. Tu sais danser? Non. Bon, c'est pas grave. Tu commenceras chez Madame Arthur. Tu vas apprendre à travailler avant d'entrer au Carrousel. J'ai un air à moi très parisien qui vous séduit. Puis le chic des robes d'atelier de Christian Dior. Le bijou de chez Cartier en rue de la Paix. Je suis femme partout et dans tous mes détails avec mon air. À moi très parisien, je suis pour vous toujours de 5 à 7 chez moi. Il ne faut pas s'imaginer que je découvre Paris quand j'arrive à Paris. Je ne découvre rien du tout. Et d'abord, le climat me fait horreur. Je trouve qu'il fait un froid épouvantable. Un an après, le patron me dit « Mais tu ne sors pas, tu ne sors jamais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais seulement la place de la Concorde ?» Alors, j'ai souri. Mais je ne connaissais pas la place de la Concorde. Je ne savais pas que c'était au bout des Champs-Élysées. Je ne le savais pas. Parce que je me consacre d'abord à la scène. J'ai beaucoup à découvrir, je me découvre moi-même chanteuse, seulement chanteuse, ne sachant faire aucun geste devant le micro. On me dit, mais il faut apprendre à bouger, pourquoi tu es figée comme ça? Et je chante et c'est déjà énorme que je sois arrivée à chanter. Je ne peux même pas lever ma main, j'ai les bras le long du corps, je ne peux rien faire. Alors je vous fais une chanson vers 11h30, minimum le quart, et une chanson vers 4h du matin. C'est tout ce que je fais comme travail. Je suis payée en conséquence, je peux à peine payer ma chambre et mon sandwich. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Ou on travaillait au Carrousel chez Mme Arthur, ou bien on vivait de ses charmes. Ouais, il n'y avait pas de choix. Et alors, quand on ne veut pas mourir, eh ben, il faut vivre. Et quand on veut vivre, on prend de quoi vivre où on le trouve. Aimez-vous les femmes? Non. C'est Drinigui. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Sexuellement, non. Qu'est-ce que je vous dis? C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous auriez aimé être une femme? Non. Oui et non, non. Maintenant, non, plus du tout. Pour ça, j'aimerais être un homme viril. Vous n'êtes pas un homme viril? Pas du tout, non. Le premier jour où je travaille, c'est le soir du réveillon de Noël. Il y a un monde fou dans les cabarets, il y a des serpentins, des confettis, j'ai jamais vu de serpentins de ma vie, j'ai jamais vu des confettis de ma vie. Et il y a tout ça. Et je vois les travestis de chez Madame Arthur sortir ce soir-là après le spectacle, encore maquillées et d'aller s'amuser aux auto-tamponneuses. On me dit, viens, tu vas venir jouer aux auto-tamponneuses sur le boulevard de Clichy, tel qu'il n'est plus aujourd'hui. Et alors, c'est la fête foraine sur le boulevard de Clichy.
Je monte dans les autotamponneuses, je savais pas ce que c'était. Je suis bousculée par ces autotamponneuses, j'en peux plus. Mais je suis complètement grisée, je sais pas ce qui m'arrive. Il vous faudrait une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, ah oui. Mais pas n'importe quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, ah non. Je sais que les filles intéressées sûrement ne manquent pas. C'est une épouse qu'il vous faudrait pour balayer tout ça. C'est une femme unique, une femme que vous pourrez garder toujours à la maison. Prenez une décision, il y a trop de vieux garçons. Mais il y a pour vous une femme qui saura vous aimer comme il faudra et qui va tomber dans vos bras. Car il vous faut une femme, une femme comme moi. Mais alors après, c'est la vie qui a commencé. Il y a eu des répétitions, il y a eu mon amitié avec Capucine. Puis, il y avait aussi les loges. Parce que dans la loge, on s'amusait beaucoup. C'était pas drôle tous les jours. Il y avait des disputes, il y avait des zizanies. Mais il y avait beaucoup de mots d'esprit, beaucoup d'autodérision. Oh, qu'elle est intelligente. C'est une femme de lettres, c'est un ancien facteur. Mais enfin, je ne suis pas vieille, j'ai 40 ans. Et 40 ans, c'est pas vieux. L'autre répondait, oui, mais 40 ans bloqués, c'est vieux. Ça me faisait rire, mais elle se piquait, elle se picotait constamment l'une l'autre. J'étais enchantée. Et alors on riait des choses qui me paraissaient graves et dont on riait quelquefois, comme l'homosexualité, la sexualité en général. Tout ce qui avait été pour moi dramatisé était entièrement dédramatisé. On rentrait dans cette loge, le moral complètement à bas. On n'était pas plutôt dans la loge avec les unes et les autres que tout était oublié. Les ennuis ne recommençaient qu'en sortant. Oh, c'était un panier à crabes, c'était un poulailler, c'est une volière, parce qu'il y avait une rivalité épouvantable. Chacune avait l'autre à l'œil. On regardait comment on se maquillait. On se moquait terriblement les unes des autres. Une école extraordinaire. On refusait d'admettre qu'on était jalouse, mais on l'était. Alors, les hormones, c'est une petite histoire. Toute une petite histoire, mais une petite histoire entre nous. Alors, un coccinelle a la réputation de faire des hormones. Ben, c'est vrai. Et on arrive, et Capucine me dit, elle veut pas dire le nom des hormones, elle va être la seule. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Toujours est-il qu'un jour, on était dans un restaurant qui s'appelait le Calypso, après le travail, et il y avait une coccinelle qui était venue, qu'elle connaissait très bien, puisqu'elle avait habité avec elle. Elle y a ouvert le sac, et elle a vu dans le sac une boîte d'ovocycline. Elle m'a dit, ça y est, c'est de l'ovocycline, on peut y aller. Alors, on a été à la pharmacie, on s'est acheté une boîte d'ovocycline chacune, ça en est acheté pas mal, on n'avait aucun contrôle médical. Les hormones étaient en vente libre. Et il y avait quelqu'un qui travaillait à la pharmacie de la place Pigalle et qui savait faire les piqûres. Il a commencé par nous faire les piqûres. Et puis, bon, très vite après, on a appris à se faire les piqûres nous-mêmes. Et puis on a cessé l'ovocycline parce que les piqûres c'était agaçant. On a pris du Distilbène. Voilà, puis après, bon, quelques marques du Distilbène, on en a pris. Capucine et moi, je me souviens qu'on a pris jusqu'à une boîte par jour quand on était à Juan-les-Pins en tournée. Il y en avait 25 de Distilbène dans une boîte. Une fois, on en prenait 12, et moi j'en prenais 13, et le lendemain, c'était le contraire. On se partageait ça comme ça.
En 53, chez Madame Arthur, des transsexuels n'avaient pas beaucoup à l'époque. Il y a Capucine et moi. Les autres sont des garçons qui vivent habillés en garçons, qui vivent avec leurs parents ou avec leur épouse s'ils sont mariés, ce qui arrive, ou avec leur amie femme ou homme. On entend quelquefois des cris. Les hormones, elles crèveront dans d'atroces souffrances. Je sais bien qu'il y a des travestis qui critiquent terriblement les transsexuels. Tu es malade, tu vas vivre en femme, mais tu seras toujours ce que tu es. C'est impossible, tu es ridicule, tu peux pas savoir les problèmes auxquels tu t'exposes. Tu seras recherché partout par toutes les polices. Tu pourras pas passer une frontière, on te fera des ennuis, on verra ton nom est là après tout, et puis tu refuses d'être un homme, mais regarde, nous, on vit heureux. Voilà, ça, ces conseils-là. Et puis, qu'est-ce que c'est notre métier? Notre métier, c'est d'être travesti. Notre métier, c'est d'être travesti, c'est-à-dire de savoir qu'on est des hommes, qu'on est notre vie privée, ça regarde personne, mais qu'on est des hommes, et qu'on est en femme, et qu'on est quand même des jolies femmes, et qu'on est, qu'on a beaucoup de grâce, et qu'on sait chanter, et qu'on sait danser. Regarde une telle, ça danse des éventails. Regarde. Ce langage-là, j'ai entendu quasiment tous les jours. Je dis oui, tu as raison, oui, tu as raison. Puis on voyait bien quand je me déshabillais que je prenais des hormones, c'était évident. Dans ce rêve incarné de la femme, les hommes essaient de comprendre que des êtres sans assise morale solide osent aller jusqu'à des actes contre nature, jusqu'à des manières de défi à la création. La fascination de la féminité est telle qu'elle peut faire basculer des esprits faibles et sans attache avec le réel vers la lamentable perversion d'un rêve. Il serait hypocrite de passer sous silence ces inversions monstrueuses. Ces êtres dévoyés auraient besoin en fait du secours de la médecine. De la beauté de la femme, qui est aussi preuve d'équilibre et de santé, à son travestissement grotesque ou puéril, il y a un fossé d'obsession dont ces êtres malheureux ne parviennent pas à se libérer par des voies normales. Leur allure nous choque, mais que dire de leur langage, de leurs idées? Il serait trop faible d'affirmer qu'ils nous déroutent ou qu'ils nous révoltent. Ils nous stupéfient. Le fossé qui nous sépare d'eux est un gouffre. Alors de loi, il n'y en avait pas. Il y avait des lois contre la prostitution, mais il y a des décrets de police. Alors la police s'est juré de nous exterminer. C'était le mot de M. Guyot, qui était le chef de la mondaine. C'était un colérique, une sorte de monstre qu'on rendait fou. Même au Carrousel, aux Champs-Élysées, mon ami m'y déposait tous les matins. Et je ne sais pas comment il faisait pour savoir ça, il me disait, il y a des flics. Mais des flics qui passaient en fumant leurs cigarettes, comme ça. Il les reconnaissait. Comment faisait-il pour les reconnaître? Je ne sais pas. Il n'était pas question qu'il me dépose. Et tout d'un coup, il regardait si à 50 mètres, il n'y avait pas de flics, comme il disait. Et il me déposait, et je rentrais vite au Carrousel. Mais c'était interdit d'arriver au Carrousel avec une jupe. Il aurait fallu qu'il y ait un pantalon et des chaussures plates. Ce que, bien entendu, aucune d'entre nous n'acceptait. Et moi comme les autres, parce que vraiment il y a des choses qui ne passaient pas. J'accepte beaucoup de choses, je veux bien ne pas choquer la société, mais je veux qu'on me laisse vivre. Et ça, je l'ai eu en moi, toujours, et on a fait cette résistance-là. C'est cette résistance qui a vaincu en quelque sorte la résistance de la société, les résistances de la société. Champs-Élysées, c'est un papa qui fait rêver. Paris, sexy, oh la la, mademoiselle, prenez garde à ça.